l'esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, feu. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit.
je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près. Protège, tu me soutiens, tu es Dieu.
Bonsoir à chacun d'entre vous ce soir. Bienvenue sur notre émission du milieu de semaine. Je rappelle que cette émission vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, la Cité de Lumière, basée au 46 rue du Faubourg Sermoran. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, le dimanche matin, venir nous retrouver également à l'occasion de l'un de nos cultes, un culte qui a lieu à 9h30 tous les dimanches. Vous pouvez également, je le rappelle aussi, poster quelques petits commentaires à l'occasion de cette émission en bas de votre écran. C'est toujours agréable. Et au passage, je remercie beaucoup ceux qui, de temps en temps, me mettent quelques petites annotations. Soyez-en profondément remerciés. Voudriez-vous que ce soir nous allions vers l'évangile de Matthieu au chapitre 18? Et je vous propose de lire quelques versets à partir du premier verset de ce chapitre 18. À ce moment-là, les disciples sous-entendus de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble et comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, le mot qui est employé là veut dire également un scandale, un piège, pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. » Quand on lit ces versets, il y a une première chose qui me traverse l'esprit, c'est que Jésus n'y va pas avec des pincettes, et lorsque il a quelque chose à communiquer, il sait le dire avec beaucoup de franchise et de façon assez directe. Si l'on replace le texte dans son contexte, c'est chose qu'il faut toujours faire lorsque on lit l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus venait de payer un certain impôt avec l'un de ses disciples nommé Pierre. Cet impôt était pour l'entretien du temple de Jérusalem, et Jésus avait posé à cette occasion une question à son disciple. Il avait dit « D'après toi, est-ce que j'ai la nécessité de payer cet impôt, en quelque sorte? Est-ce que je ne suis pas moi le maître même de ce temple, de par mon origine et ma position ?» Et Pierre avait bien entendu acquiescé, mais Jésus avait immédiatement indiqué à son disciple Pierre la possibilité de payer cet impôt, et nous savons que Pierre était allé jusqu'au lac, avait pêché un poisson, et dans la bouche de ce poisson, poisson que l'on appelle depuis le Saint-Pierre, avait retrouvé la monnaie pour payer l'impôt du temple. Et le reste du groupe va se poser la question. Sous-entendu, Pierre, non mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour quelqu'un qui est plus proche de Jésus? Bien sûr, ce n'est pas marqué dans l'Évangile à cet endroit-là, mais je peux le supposer. Et les disciples vont dire, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, de façon très pratique, va interpeller un enfant qui passe par là, qui est en train de jouer, et va lui dire, viens un petit peu vers moi maintenant. Cet enfant va venir, on verra tout à l'heure dans quelles conditions il va venir, mais Jésus va avoir ces mots qui sont importants et qu'il va prononcer de façon solennelle même. Il va dire en vérité. En vérité, il faut savoir, lorsque vous lisez l'Évangile, chaque fois que vous trouvez ces deux mots, traduit dans le français « en vérité », eh bien, il pourrait se traduire également par le mot « amen ».« Amen », c'est-à-dire un mot qui va signifier que ces paroles sont dignes de foi, pas simplement de vérité, mais de foi. Et il leur dit « amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». J'ai envie de m'arrêter sur ces trois verbes ce soir. Le premier, c'est « si vous ne vous convertissez ».
Là, on va dire, ah, vous êtes en train d'aller vers un certain prosélytisme. Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de prosélytisme, mais ce verbe n'a qu'une signification que nous pouvons donner ce soir, et qui, cette signification, c'est si vous ne vous tournez, si vous ne vous retournez. Autrement dit, si vous êtes en train de marcher dans une certaine direction, eh bien, prenez le temps de vous arrêter et de regarder maintenant vers l'arrière, de revenir en arrière, de faire ce qu'on appelle une conversion, simplement en termes militaires. Et vous avez, bien sûr, beaucoup d'entre vous n'avez pas connu ce temps magnifique de la conscription et du service militaire. Mais ce terme est simplement dans ce sens-là. Si vous ne vous retournez pas, si vous ne commencez pas à revenir vers l'arrière, eh bien, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, la parole de Jésus va être une parole qui est décisive. Avec votre question, vous n'entrez pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'allez pas dans le bon sens. Arrêtez-vous. Arrêtez de considérer que dans le royaume des cieux, eh bien, j'ai parlé de termes militaires tout à l'heure, arrêtez de croire qu'il y a des généraux, des sous-fifres, etc. Arrêtez de réagir comme cela. Mais regardez donc ce petit enfant qui est maintenant parmi nous, au milieu de notre groupe. Je pense que cet enfant était tout à fait surpris de se trouver là. Et Jésus va le prendre d'une façon particulière et dire, si vous ne changez pas de façon de penser, si vous ne devenez pas comme cet enfant qui est là au milieu de nous, eh bien, vous n'avez aucune possibilité d'entrer, de pénétrer dans les valeurs du royaume de Dieu. Autrement dit, ce royaume que je vous annonce, dont je vous fais part, tout l'évangile de Matthieu est, je dirais, imprégné de cette notion du royaume de Dieu. Il n'est pas question de la République, il n'est pas question non plus d'un empire, il n'est pas question d'une démocratie, il est parlé d'un royaume. À la tête de ce royaume, eh bien, bien entendu, l'on peut placer un roi, mais l'important n'est pas ce que Jésus veut faire ressortir. L'important est de changer, d'acquérir une pensée qui soit celle qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Convertissez-vous, changez de direction, retournez-vous. Et reconsidérer ce que vous êtes. Voilà le terme qui est employé à ce moment-là. Et non pas, et bien sûr que ce terme, dans ma version, il est traduit par convertissez-vous, au sens basique du terme, et non pas simplement pour faire des adeptes, non pas pour faire des recrues, non pas pour faire des prosélytes. Ce n'est pas cela qui est en jeu en ce moment-là. Mais c'est réellement ce demi-tour qui est à faire pour repartir dans la bonne direction. Et Jésus continue, si vous ne devenez comme ce petit enfant. Et ce verbe, bon, on va dire, on imagine devenir comme une possibilité de transformation, de métamorphose en quel sens, et surtout quelque chose qui, dans ce texte, est du domaine de l'impossibilité. Comment puis-je, à mon âge, devenir un petit enfant? Un homme, cette question, l'a posée avant moi, et avant vous peut-être. Cet homme du nom de Nicodème, dont on trouve le récit dans un autre évangile, va se trouver devant Jésus, qui qualifie de maître, et lui poser cette question, comment puis-je faire pour aller dans cette direction, pour redevenir un petit enfant? Dois-je entrer dans le sein de ma mère et naître? Comment un homme vieux peut-il redevenir un petit enfant? Et pourtant, Jésus va répondre, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, la présence de cet enfant n'est pas du tout anodine. Elle n'est pas accidentelle. Jésus n'a pas pris cet enfant parce qu'il n'avait personne d'autre sous la main, mais il a simplement pris la peine d'appeler cet enfant.
pour bien montrer à ses disciples, à ceux qui cheminaient avec lui, qu'il était le seul chemin pour pénétrer le royaume de Dieu, pour y entrer, n'était autre que celui d'une nouvelle naissance, une nouvelle venue à la vie, à la vie avec des valeurs nouvelles. Et ne trouvez-vous pas que nous sommes souvent conditionnés par notre façon de réfléchir? J'apprécie l'évangile parce que je découvre ces 12 personnes, ces 12 disciples de Jésus. Je trouve qu'ils nous ressemblent. Excusez-moi, mais ils ont un art de poser la question que j'aurais posée de la même façon. Je ne serais pas allé vers des choses plus élevées que les leurs. Et simplement, eh bien, qui est le plus grand? Qui est celui qui a les galons? À qui, pour traverser un petit peu une publicité, qui est le patron? Qui est le patron? On a toujours besoin de savoir qui est le chef. C'est naturel, c'est nécessaire. Je ne dis pas que c'est une absurdité, mais en même temps, le maître va amener ses disciples à une conception qui va être différente. Et il va dire, ben, je vais vous choquer, je vais vous scandaliser. Un petit peu plus loin, le mot scandale est employé, pas dans le même sens, mais je vais vous dire, devenez comme ce petit enfant. Changez de conduite, transformez-vous, métamorphosez-vous, naissez de nouveau, de façon à ce que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un moment où il faut changer de sa façon de penser. Il faut évoluer. Et Jésus va pouvoir le dire à ses disciples. Vous savez, je crois qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de devenir beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste que ce que l'on l'est habituellement. On se prend parfois pour quelqu'un qui a grandi, qui s'est développé, qui est devenu quelqu'un. Mais à un certain moment, eh bien, nous ne nous y trompons pas. Nous avons besoin de redevenir humbles, comme Jésus va le dire à ce moment-là à ses quelques disciples. Il y a dans certains, j'ai le en terme en mémoire le récit d'un homme qui était un fermier d'origine danoise. Et c'est, je pense, sa vie située au début du XXe siècle. Et cet homme-là a rencontré un jour il s'est, on va dire qu'il s'est converti. Il s'est converti non pas dans le sens où il est devenu un prosélyte, il a été racolé par qui que ce soit, mais il s'est tourné vers Dieu. Et alors qu'il était un fermier, les deux pieds sur la terre, eh bien, il s'est dit que quand il a commencé à croire dans ce Dieu qui jusqu'à présent il n'avait entendu, dont il n'avait entendu que parler, il a eu la conviction que ce qui lui était nécessaire était de remettre toutes ses affaires à Dieu. Et il a d'ailleurs écrit ou coécrit, je ne sais, un livre qui s'intitule Votre Père sait. Et cet homme, ce fermier danois, eh bien, l'un de ses versets préférés a été Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Un enfant n'est enfant que parce qu'il a la référence à son père, dans lequel il peut avoir confiance, et c'est ayant confiance dans son père, eh bien, il va pouvoir vivre une vie qui sera beaucoup plus, je dirais, facile, facile à approcher. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais il pourra faire confiance et aller dans la direction, la bonne direction cette fois-ci. Je vous laisse pendant quelques instants avec une petite pause de musique, un chant, et on se retrouve directement et tout de suite après. À tout à l'heure. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Je suis à
acceptée à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Bonjour, si vous prenez cette émission en cours de route, je rappelle que nous étions en train de redécouvrir l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, et lorsque les disciples de Jésus vont lui poser la question « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ?», Jésus va tourner cette réponse, va amorcer sa réponse en prenant un petit enfant, en le plaçant au milieu de ses disciples, et en leur disant « Devenez comme l'un de ses enfants. Devenez pour entrer dans le royaume de Dieu. Naissez de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. » Autrement dit, le maître ne va pas se contenter de donner la hiérarchie du royaume des cieux, mais va inviter ses disciples, ses questionneurs, ceux qui nous ressemblent sous un certain côté, à devenir de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Il ne va pas simplement leur dire, mais regardez comment les choses se passent dans le royaume de Dieu. Vous voyez bien que la hiérarchie n'est pas tout à fait celle à laquelle vous pensiez, mais allons plus loin. Cherchez à entrer dans le royaume des cieux. Et il est toujours bon d'aller vers d'autres parties du texte biblique qui vont nous éclairer sur la façon qui sera celle de Jésus pour annoncer son message. Et au lieu de rester dans l'évangile de Matthieu, nous avions ces trois verbes, convertissez-vous, faites un demi-tour, nous avons rappelé, naissez de nouveau,
et ensuite entrer dans le royaume des cieux. Et nous avons ce même récit, ce même épisode, qui nous est rapporté dans l'évangile suivant, l'évangile de Marc, et qui va nous éclairer quelque peu sur la façon qui a été celle de Jésus de répondre à la question de ses disciples. Et si nous prenons ce verset de Marc, pardon, chapitre 9, verset 36, Jésus va plutôt faire, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Nous avons là, encore une fois, deux verbes. On fait peut-être un peu de syntaxe ce soir, mais l'un de ces verbes, c'est le verbe « embrasser ». Et embrasser, on a parfois un peu changé le sens de ce verbe par donner un baiser, donner une bise, comme l'on dit. Mais là, il s'agissait littéralement de prendre dans ses bras ce petit enfant et de l'accueillir avec cette générosité qui était la marque de Jésus dans les évangiles. Et il ne va pas se contenter de lui dire « Viens par ici, mon petit », mais réellement, il va l'accueillir. Je pense que cet enfant, lorsqu'il a vu Jésus, a couru vers lui. Il était trop heureux de pouvoir répondre à la question de ce monsieur qui passait ce jour-là dans sa vie, ce Jésus dont on parlait tant, et qu'il a couru. Et Jésus ne lui a pas simplement dit « Mets-toi là à côté et écoute », mais il l'a réellement accueilli, pris dans ses bras. Et d'ailleurs, le verbe « recevoir » que l'on va trouver par quatre fois dans le verset suivant, eh bien, c'est le verbe « accueillir ». C'est comme lui dire « je ne vais pas simplement te dire de venir et de te tenir au garde-à-vous devant moi, comme un militaire, comme quelqu'un qui va parler des galons du royaume des cieux, mais au contraire, viens, je te reçois. » Et à ce moment précis, eh bien, les disciples vont avoir non seulement la parole qui est apportée de la part de leur maître, mais ils vont avoir également cette vision de la façon d'accueillir. Et il n'est plus question cette fois-ci qui est le plus grand, qui est le plus petit, je pense que là ils ont déjà reçu une bonne claque, mais ils ont en plus la vision claire et précise de la façon dont cet enfant eh bien, est accueilli. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur, j'ouvre une petite parenthèse, comment est-ce que j'accueille la présence de l'enfant au milieu de ma pensée, au milieu de ma famille, au milieu de mes relations? Est-ce que l'enfant est celui qui me gêne? Est-ce que l'enfant est celui qui est en trop dans la famille? Est-ce que l'enfant est celui dont on peut dire, et l'on l'entend malheureusement le dire dans certaines familles, celui-ci, on ne va pas le dire trop fort, mais c'est un accident? Ou alors est-ce que je l'accueille avec des bras ouverts? Jésus nous donne une grande leçon déjà là-dessus. Cet enfant n'est jamais de trop. Cet enfant n'est jamais celui qui vient pour importuner. Nous sortons de la fête de Pâques. Et nous savons que cette fête de Pâques, eh bien, lorsqu'elle est célébrée dans son origine, dans son sens original, la fête de Pâques, de Pessah, etc., eh bien, c'est une fête où l'enfant a sa place. Il est lors du repas, le repas de Pâques, sa place est à côté du père de famille. Et à côté de ce père de famille, il va poser des questions. Pourquoi cette nuit est-elle si différente de toutes les autres nuits, etc. Et l'on voit que l'enfant a toute sa place. Et une fois de plus, Jésus qui a pu dire dans un autre texte « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », va le placer là comme le chef, pratiquement, celui vers lequel toutes les attentions vont se tourner. Et il va continuer en disant, eh bien, si quelqu'un ne reçoit pas, n'accepte pas, quiconque reçoit en mon nom, si,
quiconque accueille en mon nom va changer et donner cette autre acception du terme. Un de ses petits-enfants m'accueille moi-même. Quiconque accueille en mon nom un de ses petits-enfants m'accueille moi-même. Autrement dit, la hiérarchie du royaume va se trouver tout à fait changée. Comment, toi, le maître, tu es l'enfant au milieu de nous? Si j'accueille l'enfant, je t'accueille toi. C'est ce que ça veut dire. Vous lisez comme moi ce texte. Autrement dit, le maître ne va pas dire « Dans le royaume des cieux, c'est moi le plus grand. C'est moi le patron. » Mais le patron dans le royaume des cieux. Et il enlève ce terme, on l'oublie tout de suite. Mais dans le royaume des cieux, celui qui accueille un de ses petits m'accueille moi-même. Autrement dit, vous, au milieu de vous, qui est le plus insignifiant? Qui a fait le moins d'études? Qui est le moins riche? Et qui vient d'une famille la plus modeste? Est-ce que je te donne ta chance dans le royaume des cieux? Ou alors est-ce que je te laisse de côté? Jésus n'a pas raisonné comme cela, mais il a dit le plus petit. Voyez là, l'enfant qui est là, que je viens de prendre dans mes bras et qui est encore peut-être assis sur mes genoux. Eh bien, c'est lui qui me représente. C'est lui qui me ressemble. Si vous accueillez cet enfant de cette façon-là, eh bien, c'est en quelque sorte moi que vous accueillez. Et on va un petit peu plus loin. Quiconque m'accueille ne m'accueille pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Autrement dit, les choses évoluent encore. Celui qui est l'enfant au milieu de vous maintenant, non seulement c'est moi Jésus. Moi, je ne suis qu'Étienne, je ne suis pas Jésus. Eh bien, mais plus que cela, il accueille celui qui m'a envoyé. Autrement dit, voulez-vous avoir une relation avec Jésus? Eh bien, accueillez peut-être l'un de ses plus petits. L'une de ses plus petites paroles. Certaines de ces paroles venant de l'enfant nous choquent, nous blessent pas profondément, mais nous interpellent, je veux dire, le mot est mal choisi, blessé est mal choisi, mais nous interpellent. L'autre jour, il y a quelques jours, je parlais avec l'un de mes petits-enfants, et je lui posais une question. Les choses étaient un petit peu, on va dire, c'était un petit peu tendu. Je tenais à ce qu'il fasse certaines choses, et il n'avait pas envie de les faire. Et je lui ai posé une question, « As-tu fait ceci? As-tu fait cela ?» Je ne me souviens plus exactement la question, mais cet enfant a trouvé le moyen de me répondre par une contre-question. Et sur le coup, j'étais un petit peu ennuyé, je dirais. On va dire, restons polis. Mais je me suis aperçu qu'en fait, eh bien, c'était un petit peu la façon dont je l'avais appris. Je lui ai dit, tu n'es pas toujours obligé de répondre. Tu peux aussi poser une question si tu n'as pas compris. Et ce loustique, pour ne pas l'appeler autrement, avait tout à fait compris la leçon. Et un enfant va être sensible. Il va pouvoir répondre, poser la question, je dirais, un petit enfant va voir passer une femme enceinte, il va dire « Pourquoi, madame, pourquoi vous avez grossi ?» La question est directe, mais elle est tellement belle. Et soit la maman sera fâchée, je ne pense pas d'ailleurs, soit elle va expliquer. Voilà, il y a encore un plus petit que toi qui va venir dans quelque temps. Tu as bien fait de me poser cette question. Et Jésus va compléter sa réponse. Si quelqu'un m'accueille, eh bien, s'il accueille ce petit enfant, pardon, eh bien, c'est comme s'il m'accueillait moi-même. Et comme si les disciples n'avaient pas encore bien compris, il a dit, mais celui qui, non seulement, qui l'accueille, il m'accueille moi-même, et celui qui m'a envoyé. Autrement dit, le Père céleste, le Créateur de l'univers. Certains sont toujours en train de chercher comment il pourrait mieux comprendre Dieu. Un certain cosmonaute, je crois le premier cosmonaute qui s'appelait Yuri Gagarin, on lui prête ses paroles, mais je suis monté très très haut et je n'ai pas rencontré Dieu. Je voulais simplement vous donner la réponse qu'une petite fille avait fait à quelqu'un qui l'importunait. Elle avait très bien compris la leçon que sa monitrice d'école du dimanche lui avait enseignée. Et cet homme lui disait, mais ton Dieu, il n'existe pas. Tu vois bien
Comment peux-tu dire que Dieu existe? Et il est comment? Il est petit, il est grand, ton Dieu? Et cette petite fille de répondre, eh bien, mon Dieu, il est si grand que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est une parole biblique, celle-ci. Et il est si petit qu'il habite dans mon cœur. Ce soir, je veux vous faire passer ce message-là. Ce message, si j'avais à vous le dire, c'est convertissez-vous. Convertissez-vous, non pas une religion, hein, ne vous trompez pas, je ne suis pas là pour vous récupérer, mais changez de façon de voir, changez de façon de penser. Ne pensez plus en termes humains, de hiérarchie, de grade, de haut ou de bas, de qui est le plus important, qui est le plus grand. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis devenu quelqu'un d'important? Oubliez cela. Accueillez, au contraire, celui qui est plus faible que vous, celui qui est moins instruit, celui qui est moins riche, celui qui paraît savoir moins de choses, mais qui en sait peut-être davantage que vous. Et accueillez-le comme, et en faisant cela, eh bien, c'est comme si vous accueilliez le maître. Le rabbi Jésus lui-même. Et c'est en même temps comme si en vous-même vous receviez une partie de la grandeur du maître de l'univers. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous invite à relire ces textes. L'un est dans l'évangile selon Matthieu, l'autre qui est complémentaire est dans l'évangile selon Marc. Et ce soir, eh bien, je peux terminer simplement en vous disant, vous n'êtes pas grand par votre grandeur humaine dans le royaume des cieux, mais vous êtes grand par la place que vous ferez à l'un de ces plus petits. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse en compagnie d'une pause musicale. Et n'oubliez pas à la fin, vous avez un petit générique qui vous donnera toutes les indications pour pouvoir nous contacter si vous le souhaitez. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car Je sais que pour moi tu...
même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quelle est